Et Sophie, vous l'avez bien compris, c'est la maman de Bidou. Voilà. Elle est coincée au Mali depuis 2 ans et demi. Merci. Moi, vous m'avez jamais vu sur le podium cette année. Vous m'avez vu dans le passé, peut-être. C'est vrai que cette année, c'est la première fois que tu viens sur le podium. C'est la première fois. Je suis tellement heureux de foutre la branlée à Freddy Kenner, à Sébastien Shadow, à Olivier Ménet, qui va venir sur le podium. Allez, viens, Olive. Olive. Olivier Ménet. Olivier Ménet sur le podium. 5 victoires en ski, qui a osé faire du monoski, qui fait 4e. Vous imaginez, foutre la branlée, Olivier Ménet, putain. Et Xavier, Olive, on le laisse monter quand même, juste pour. On le laisse monter sur le podium quand même. On le laisse sur la première marche. Allez, viens, Olive. Olive, t'as gagné en monoski aujourd'hui. Et puis, je vais inviter un autre copain qui s'appelle Boris Thurn parce qu'il est de la Vallée Verte. Vallée Verte. Vous savez pour où c'est la Vallée Verte? C'est bien normal, c'est une petite vallée entre 900 et 1600 mètres. Et on fout la branlée à tout le reste du monde. Tignes, Val d'Isère, La Clusaz, Chamonix, ils sont tous à genoux. Et enfin, on va inviter Bruno. Bruno parce qu'il est des Pyrénées, il fait 6e. Alors Bruno, parce qu'on aime les Pyrénées. Et quand vous allez skier dans les Pyrénées, vous n'êtes jamais aussi bien accueilli que dans les Pyrénées. Parce que les Pyrénéens, ils sont comme à la Crave. À la Crave, vous êtes des gens généreux, les mecs de la Crave. Merci la Crave. Alors, merci Bruno pour les Pyrénées. Moi aujourd'hui c'est mon 28e derby de la Meije. Parce que quand j'étais mineur, j'ai pas eu le droit de faire les 3 premiers. Donc je suis très heureux de vous voir ce soir. Mais comme vous le savez, les résultats c'est chiant quand on est dans la salle, sauf quand on fait une chanson dynamique et participative. Alors il y a.